Alors que ça va, oui, voilà, que ça. Merci Jean-Louis. Oh putain, c'est dégueulasse. Quel suspense. Oh yeah, les Olympiens avec un tir. Trop loin, trop appuyé, trop tendu, trop discret. Je ne sais pas ce qu'il faut lui affubler à ce joueur. Mais trop loupé, trop loupé. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est à 5 mètres à côté, 10 mètres au-dessus. Si c'est pas un tir loupé, ça s'appelle ça comment? Hein? Attention, on change à un joueur, on lui explique. Tu fourgues le matos à René. René transmet à Jean-Louis. Jean-Louis téléphone à Yves. Yves charge Francis. Francis transbahute chez Louis. Et à la fin, c'est... C'est Albert qui récupère. One. De la tête et du pied, c'est dangereux. Qui a sifflé? Mais c'est l'arbitre, bien sûr. Dis donc, de la tête et du pied, j'ai l'impression qu'il en met beaucoup. Hein, dans... Peut-être, c'est un peu mélangé les genres, peut-être, effectivement, suivant de quoi se place. Bonsoir à vous. Bigood. Jamaica, Rasta Bigood, donc on nous le dit, on nous fait. Attention, les Olympiens à l'attaque et perdido le ballon. Chelsea contra. Oui, Kelly. Kelly, para, por favor, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci. Mucho. Merci beaucoup. Et qui joue? Yes, cette équipe. Jacques, qu'est-ce qu'on remercie là? On remercie un peu tout le monde quand même d'avoir joué le jeu de ce match du suspense. Sportage. Bravo, messieurs. La fête tout de même, hein, que ce soit ludique, le football. Allez-y, embrassez-vous même chez vous maintenant en ce moment. N'hésitez pas à ne pas regarder l'écran. Et allez, embrassez-vous. Voilà, oui, grande fête, Jacques, parfaitement. Laisse filer. Laissez-vous couler un petit peu quand c'est une fête internationale comme ça. Là. Après tout, c'est du football, c'est des mecs en short avec un ballon, des crampons et des tenues ridicules. Alors après tout, Jacques. Voilà, bien messieurs. Chaque jour chez vous, vous faites beaucoup mieux que ce qu'ils font sur le terrain. Ballon récupéré par Chelsea qui joue de plus en plus mal et Marseille. Marseille, Jacques, n'a pas la balle, c'est inquiétant. Ouais, mais Marseille, wait and Chelsea. Avec une sortie. Une sortie, je sors. Alors, RTL. On sort, hein. On va faire rentrer de la pognon, Jacques. De la pognon, de la pognon. C'est vrai que... Je crois qu'on fait rentrer. Il est là, pognon. Oui, ouais. C'est pognon. Avec tapis. Eh les gars, je fais rentrer du pognon. Viens, sors, Jean-Louis. Voilà, on sort une valeur ou une action qui baisse. Oui, qui diminue. Voilà, elle baisse. Et là, l'action monte. Immédiatement, regardez, hop. L'action monte. De la pognon. Il vend de la pognon. Il vend en plus, avec un prénom comme ça, parfaitement. Il vend de le pognon. Tiens, prends ça, toi. Les gars, je vous mets tout sur le centre. Oui. Il vend de Noé. Ah, oui. Je pensais que c'était plus chaud. Il y avait une faille de Noé. Mais si vous me dites qu'il vend, je confirme. All Stars. Merci, bonsoir. Mm-hmm. Nous récupérons dans quelques instants les commentaires traditionnels de football sur TF1. Mm-hmm. Pas de showbiz sur la radio libre. Que se dit sur la télé privée, Jacques? Pardon. Oh, je vous en prie, mon amour. Oui, il passera pas là. Il passera pas là. Ferrer va vite, va très vite. Ils sont pas passés. Effectivement, ils ont eu du mal et c'est le bœuf. Le bluff. Le bluff. Oui. J'avais foutu le L. Jeanne le bluff. Je croyais qu'il était sur l'aile. Marie-Jeanne même, je crois, le bluff. Regarde si ça joue bien Chelsea. Avec Don Vikong. Ouais, pas mal, Don le beau Vikong centre, une tête anglaise. Cet ballon était arrêté à destination de Flo. Flo, un peu rance, hein, Flo. Architecte, dans le civil. Vous en faites des vagues, vous en faites des flots, les mecs. Hein. Ha, j'ai l'impression d'être dans un lac. Oui, j'ai acquis la vitesse du match avec Chronospeed, c'est super speed. Ça, c'est professionnel. Est-ce bien que vous sûr, pouvez me la refaire? La vitesse du match avec Chronospeed, c'est super speed. J'apprécie énormément. Et je dois dire que je suis ému tellement que je ne peux vous donner la vitesse du match avec Chronospeed, c'est super speed. Clap your hand. Merci, clap your hand. On a quelque chose pour clapper les hands, ouais. Avec Dalma, si vous voulez. Le ballon mal négocié par Marseille. Marseille qui pourtant s'installe. Ils sont 2, 3, 4, 5, souvent Jacques dans le camp anglais. C'est très bon signe. Ça veut dire qu'ils veulent ou qu'ils pensent qu'ils peuvent. Vous êtes superstitieux, David. C'est pas ça, non, c'est pas superstitieux, c'est tacticien. Ils sont là, ils s'installent, ils viennent. Ça veut dire qu'ils y croient. Mm-hmm. Hein? Toi, non. Non, je n'ai que peu de foi. Tu as toujours parlé.
Très souvent d'ailleurs, avec les Anglais, très dangereux là. Il s'écarte tranquillement pour centrer sûrement l'ailier anglais. Il rentre dans la surface d'opération, il est contré. Superbe défense, Fabrizio le rendu avec Janine. Janine va chercher peut-être, c'est sûr maintenant, c'est Ginette sur le grand côté. On écarte et on rentre maintenant le côté anglais avec Marguerite. Il y a un problème. Marguerite, pourquoi ? T'appuies quoi ? Avec un ballon marseillais dans la surface. Aïe, aïe, aïe. Sans avoir entendu une petite alarme. Je me demande si c'est pas le téléviseur. Qui est le centre pour une teutée ? Oui, une teutée Mina, parce que quand même le défenseur anglais était seul. Il n'avait pas vraiment obligation de mettre en corner. Il pouvait laisser filer. Il s'est affolé. C'est bon, ça, Jacques. Il s'est affolé. Vois-tu le ballon là-bas ? Regarde ce bout blanc qui bouge juste au-dessous du score. Jean-Louis, c'est pas bien. Jean-Louis, c'est pas bien de nous montrer... Coucou. Nous montrer coucou. Elle est belle, cette balle. Dis-le. Belle prise de balle. Ouais, mais la balle est belle quand même. Bonne balle, ça travaille. Ça part d'ex, ça t'arrive à Cassis. C'est du centre, ça. C'est brossé. On fait ce qu'on peut. Le bluff. Le bluff. Vous m'avez demandé un but. Avez-vous fait tout ce qu'il fallait cette semaine pour le mériter, ce but? Le football est une religion. Tu trahis ton sport, tu en paies la sanction. Et je voudrais dire à tous, bonne année de mai. À la bourre. Bon, léger, mais vu sa position, il peut se le permettre. Oui, un petit peu à la bourre, façon anglaise, travailleuse. Avec, les Anglais qui ont le maillot blanc, immaculé, Jacques, ils n'ont jamais été plaqués, ils ne sont jamais tombés, ils ont su conserver cette propreté. Et toujours un happy Wednesday for English football. Oh là là, j'aime quand tu parles anglais. Can you repeat, Jack? No. Si. Say for me, can you repeat, Jack? No, the players go on with Marcy. Monsieur Brun qui transmet à Monsieur Escartefig, très intelligemment, Monsieur Escartefig écarte. Mais le Brun en retard. Oh, Monsieur le Brun, là, ça va pas, Monsieur le Brun. Alors, vous jouez. Ça gratte. Il y a quelques emplois jaunes en bas, 4 emplois jaunes, mais tu vois, c'est pas terrible, hein, quand même. Tu bouges pas, t'es là. Oui, je ne sais pas d'ailleurs si on applique la parité pour les emplois jeunes. Ah, et bien en plus, si on appliquera effectivement tout ce qui a été promis. Là, je m'inscris, j'aimerais d'ailleurs, puisque nous sommes en pleine période d'élection, vous proposer mon programme sur le plein emploi, le but à outrance et la reprise de volée. Alors votez pour moi si vous voulez des reprises de volée, des petits filets et des centres rentrés. Si je quitte. Il est en pleine campagne, c'est parti visiblement. De toute façon, tout le monde se présente partout. À Toulouse, il y en a de tous les côtés. À Paris, il fait. Alors, Jacques, pourquoi pas Allez, toujours sur le dance floor. 1-0 pour Chelsea contre Marseille, Ligue des champions de foot. C'est bien. Ici, Sportaz. À vous, Sportaz. Là, je crois qu'on a bugué, les gars. Merci. On y retourne. Deuxième tentative. 5, 4, 3, 2, 1, à vous. C'est comme si on y était. C'est une drôle de sensation. On sait parfaitement qu'ils n'y sont pas, mais on veut croire qu'ils y sont. Sportaz. Soyez-en. Soyez zen, c'est selon. Zan à la violette, ça peut être zan, zan à la réglisse, Jacques, je sais pas. Il n'y a pas marqué. Soyez zan. Alors, je veux dire qu'à un moment donné, nous avons ce soir un choix de jingle particulièrement féminisé. Un maximum. Mais c'est choyé. Hein. 18 minutes dans cette confrontation, l'OM toujours mené 1-0, mais l'OM. L'OM, allô, tout de même un bon fond de l'OM. Bien que ça déteigne un peu. Ça déteint, c'est vrai que ça déteint. C'est je ne sais pas où je suis, j'ai l'impression d'être à côté de vous, alors que je suis au moins à 10 bornes. Ça me transporte. À mon avis, vous êtes dans le bidet, Jackie. Je suis dans le bidet. Sur le trône.
avec un ballon joué et négocié par Chelsea qui se le passe, qui pour l'instant fait courir autant le Marseillais que la montre et le temps. Et regarde ça, Jacques, sur un coup de patte majestueux, oui, d'accord, le danger. Ouais, regarde, non, je sais pas, moi ça commence à me gaver, comme dirait Marcus. Tu veux qu'on arrête, on oublie, on arrête. Non, c'est pas ça, mais... Non, bah, si tu veux, bon, ouais, c'est toi le patron, c'est toi qui paye, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu dis la charpente est finie, la charpente non, là, est finie. Voilà, regarde, ouais, bon, tir peut-être, Émilie Zola qui est dans les réparations, ça traîne, ça traîne, ça... Oui, ça traîne, on arrête le chantier, et puis on passe à un autre. Faites quelque chose. Musique. FM 94, Marseille attaque, je répète, Mars attaque. Avec une remontée de Marius Trésor là-bas sur la droite. Marius Trésor qui cherche Waddle qui revient sur son pied favori, qui n'a pas pu transmettre en côté des lancers, il fait courir un. Oh, Waddle, monsieur Scartefig. En retrait. Allez, c'est là. C'est là. Ouais. Fanny. Il pose le jeu, c'est bien fait. Il a mis le 9, le 14. Il faut aller chercher le dernier atout. Il faut aller chercher. Que miseria de Marseille. Parce que maintenant ils sont maîtres avec la dame. Et oh. La dame, oh là là, le valet derrière. Oh putain, le valet. Il récupère quoi? Il récupère le 8. Oh là là, il file. Oh, oh là, arrêtez. Ah, il va tirer arrêtez. Tout seul, tu vois. Ouais. Non, il revient un petit peu en retrait. Il cherche un appui, il le trouve. On joue 1-2, c'est mal négocié, les Anglais. Il a pas fait un pli. Continue à jouer, dit l'arbitre. 1-0 pour Chelsea. 1-0. 1-0. 1-0 pour Chelsea. Marseille à la balle, je répète. Marseille à la balle. Repeat. Marseille à la balle, je répète. Marseille à la balle. Over. Un but sera inscrit à la 78e minute, je répète. Un but sera inscrit à la 78e minute. Amen. Marseille pousse, Marseille. Et oblige Chelsea, Jacques. Marseille sollicite. Marseille va faire craquer. Ça y est, oui. Il ressort un petit peu le gros jeu. Le grand jeu, il pousse. Je dirais qu'ils joueraient plus avec leur cœur qu'avec leur tête. Je dirais qu'ils jouent plus avec leur trip qu'avec leur technique. Je dirais qu'ils jouent plus avec... je vous emmerde, hein, parce que j'en fais assez. Hein. Ça suffit, dégage. Qui récupérera ce ballon? Chelsea, non. Marlon Brando pour Marseille. Marlon Brando qui a signé un contrat mirifique, mais qui, Jacques, se tient tout de même au terme de son contrat. Apparemment, il y a une touche de balle qui claque dans la surface de réparation, au point de pénalty, il pouvait marquer le Marseillais. Ça n'était pas la bonne minute. Marseille marquera à la 78e minute. Repeat. Marseille marquera à la 78e minute. Thank you. Oui, mais l'occasion était belle. Un Olympien vaut mieux que de Sulora. Hein? Alors, il aurait fallu qu'il mette le but. Ce sacré connard, qu'importe la minute. Oui, hein? Pourvu qu'il y ait un but avec les Marseillais qui jouent à deux. C'est dommage, il fallait jouer devant, plus en avant. Il fallait se retourner. Fois que Jacques vous le dit, les gars, jouez devant. Hein. Et un quart d'heure à jouer, 2 minutes avant le but. Ne quittez plus l'antenne, ne lâchez plus rien, il va y avoir un but. Oui, nous savons, on le sait, tout a été conclu. Vous savez comment on est, quoi. Intérieur, beaucoup émotionnel, approfondi, improvisé. Vous aimez ça? Ouais, on le sait, nos intentions sont tout de même humaines, donc nous sentons les choses. Là, nous, dans 2 minutes. Là, ça vous semble mal parti, le gardien gagne du temps, ceci, cela, 76e, et bien dans moins de 2 minutes maintenant, oui. Marseille va égaliser. Oui, madame, moins de 2 minutes. Oui, madame, écoutez cette musique. Écoutez ça. Prémonitoire, madame. Répondez à la question. Dans moins de 2 minutes, Marseille va égaliser. Êtes-vous frais? Êtes-vous prêt? Allez, ça joue les Marseillais. Ouais. Une tête anglaise, ça nous perturbe forcément. Non, du tout, absolument pas. Absolument pas, Jacques, si, là, on même, récupère le ballon, on le prend, tu es bien, là on est bien, Marseille joue en bleu, qui Marseille joue en bleu, je vous le rappelle, Marseille joue en bleu, Marseille a failli marquer, ouf, oh là là là, ah, c'était signalé, c'était le Jacques, il ne faut pas non plus s'affoler, hein. On va pas sombrer dans le misérabilisme malgré l'auteur de cette tentative ou de cet essai, dirais-je. Tandis que Carlos me fait signe avec un t-shirt Oasis. Alors, il a de la peau d'orange, hein, quand même, ça, si on y regarde bien.
Attention, c'est récupéré par Jacques. Par vous, Jacques, parce que bon, on entend plus que vous, d'ailleurs, vous êtes en stéréo-flange. C'est assez bizarre le son qu'il a réussi à obtenir. Je ne sais s'il trafique lui-même les fils. Il était dans deux pièces différentes à la fois. Regarde, on trafique le son à Jacques. Là, vous coupez le son à Jacques, les gars, vous coupez les aigus. Vous coupez les aigus, vous augmentez, tu augmentes un peu le grave. Hein, on est en train de trafiquer votre son, Jackie, avec oui, le Chelsea, c'était dommage, c'était bien vous. C'est bien aussi de régler ce problème de surface. Bien, nous allons le porter réparation. Ce serait vraiment très bien, effectivement, surtout pour Marseille, qui a le ballon actuellement. Ouais. 78 minutes, nous vous l'avions promis. Eh bien, nous avons toujours, comme les hommes politiques, tenu nos promesses. Nous avons toujours été réglo. Nous avons toujours donné ce que nous avions annoncé. Ouais, voilà. Jean-Louis s'appelle. Une coupure, une petite coupure. Les gars, ce but arrive. Il y a eu but. Il y a eu coupure et pendant la coupure, il y a eu but. Il y a eu but. Hein ? Et Jean-Louis ne l'a pas marqué. Alors ? Regarde, il y a eu but. Je vous entends pas. Jacques, vous êtes où là encore ? Ah, je suis dans un short là. Non, dans la baignoire là, parce que là, vraiment, je vous entends mal. Regarde, regarde le mec, Bellino 2, est-ce qu'il est ferré ? Oui, il est ferré. Je l'annonce, ce cheval est ferré. Ferré donc pour les parieurs, il a 25 contre 34. Et on sort une de mes. Qui a tout donné. Magnifique, Jacques, applaudis s'il te plaît le parcours. Le parcours de ce cheval qui a rapporté à son propriétaire plus de 253 millions de francs. Effectivement, et moi 2 francs en 70. Ah oui, tu l'as joué une fois. Mais tu avais mis 10 francs. Et attention, il y a Harley qui rentre, les gars. Ouais. Oh, Bob pam, Harley. Pam, pam. Bob Harley. Bob Harley qui rentre. Et il y a le Matteo aussi. Il y a le professeur Matteo qui rentre. Et j'ai l'impression qu'il y aura une légère estafilade dans la défense marseillaise. Un coup de bistouri terrible. Attention, c'est parti. TF1, c'est à vous. TF1, c'est à vous. Récupéré. Harley, premier ballon. Ouais, c'est à vous, TF1. Dalma. Les Anglais n'auraient peut-être pas digéré notre titre de champion du monde. C'est ce que vous voulez. C'est vrai que ça a dû les énerver un petit peu. Et de la bien. Alors on s'appuie sur les bases, effectivement, du commentaire, la référence, le titre de champion du monde de l'équipe de foot masculine. Avec ce ballon remonté tout de même par l'OM qui la police est là, c'est très bon signe, il y a eu un tir arrêté et ça monte. Oui, ça montre qu'effectivement ça monte. Dalmout. Ici la régie les gars, 78e minute passée, vous êtes fait, vous êtes fait, allez, rendez-vous. Rendez-vous, vous êtes cerné, je vous fous TF1 pendant 10 secondes. Rendez-vous. C'est à vous, c'est TF1. Vrai qu'ils mériteraient, hein, parce qu'ils ont été battus de justesse par les États-Unis, par la France. Tu t'en souviens ? Et là. C'est toujours TF1 ou ça a changé ? Non, c'est chez nous. Ça. Ah, c'est chez nous. Hein, c'est plus chez nous quand même. Marcel. Ouais, Marcel. Marcel Olympique de Marseille. Oui, d'un côté. Oui. Et Marseille de Sailly de l'autre. C'est entre deux sexes. Ouh. Il n'y avait pas vraiment un coup franc, je ne vois pas. Ou alors la faute est avant Jean-Louis, ton ralenti pourri une fois de plus. Jean-Louis, je ne suis pas fier de ta retransmission, je préfère te le dire. Mm-hmm. Et Jacques non plus, hein. Jacques, tu n'es pas... Moins que toi, David, mais je te suis. Attention. Ah, l'égalisation, les gars. Vincent, il y a une grenouille qui est montée. Oh, bouton. C'est de la pognon qui avait tout misé. Hein. Oui, sur Mars FM. Ah, il avait tout mis sur le poteau, mais sortant. Et c'était pas un père gagné, passe, mais c'était. Poutao. Et sort. Oh, Poutao. Waouh, le gardien est Stalwind. Oh, quel temps, mec. Ah oui, Jean Casino qui se prend le rayon à deux mains. Ou le caddie, je sais pas. Oui, à 30%. Mais il se fait une promotion. Et ça continue avec Marseille. Marseille. Oui, avec Butella. Mais absolument, Jacques. Butella, 20 ans d'expérience qui vont faire la différence là, et maintenant. Les Marseillais. Avec la cacahuète. Laurent la cacahuète Blanc. Qui fait la différence. Laurent Blanc. De Laurent Blanc. Tu as de Laurent Blanc. À fond dans mes poches. Waddle, Waddle, magnifique Waddle qui donne tout, ça tout, il a tout donné. Mother. Edwin, Carlos ou Mother. Fucker. Ah bon, comme vous. Hey, Marseille à la balle, Marseille est là. Je le sens bien. Ah bon ? Ah oui, avec monsieur Escartefig, tranquille, qui, joli contrôle, changement d'orientation. Pas mal le brin, monsieur. Déstabilisation de la défense de Chelsea. Marseille volontaire ça continue, va. Progresse et garde le ballon. Très c'est vite. Très intéressant. Maintenant, point de croix. Là. Oh, il le fait ! Oh là 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 ! Rien n'est terminé. Bravo ! Bicicleta !
physique d'état pour vous, madame. Madame. Un geste technique, un geste aérien pour vous. Et un geste unique, madame. Rien que pour vous. Ah, c'est le football féminin. Wouh. Corner pour l'OM. Qui va, qui doit. Hein? Qui se doit le corner est joué, c'est le compte. Là, tu tires, tu tires, tu cognes tout non, ce que tu veux. Non, mais non, je suis mal placé, je vais donner à quelqu'un qui est là, David. Excellente analyse. Je prends ce ballon, je tente d'organiser, je me fais contrer, mais il y a toujours le partenaire. Bientôt. Le partenaire bien placé. Ouais, le partenaire dans y la surface de réparation. Oh Koukouna. Là, là, quel bordel dans cette surface, les gars. Serena Koukouna. Il y a tout le monde, il y a tout le monde dans cette surface. Hein. Attention, les gars. Maintenant, où on tire? Où on se tire, mais quand même, on reste pas là. Hein. Attention. C'est la jungle. C'est la jungle, il ne reste rien du tout. Chelsea, et oui, Chelsea n'en croit pas ses yeux. Chelsea est en train de se faire bousculer. Chelsea qui s'attendait à croquer le Marseillais. Mais Chelsea qui mène toujours 1-0 au corner marseillais. Oh, la mauvaise sortie pour Jimmy. Monsieur, madame a vu Jacques un contact illicite. Alors, je ne sais ce que entend monsieur, madame par contact illicite. Mais je vous propose, pendant que le gardien se blessa, de goûter le jingle. Que voilà. Il y a quelqu'un ? La régie ne répond plus, effectivement. On va sauter, je crois. Oui, non, c'était magnifique, écoutez. Vous avez demandé quelque chose, là, les deux, là. Jingle ! Vous en remets un ? On voit ça gentiment au ralenti. Madame ? Oui ? Garde enfant, alors ? Comment ? Attendez, non. Je connais, puisque j'en ai deux. Ça n'est pas considéré... Ça n'est pas une, non, une agence pour que l'emploi. Ça veut dire, pas de l'expérience. Savez-vous utiliser un ordinateur, par hasard ? Ah oui ? Sachez de quoi vous parlez, quand même. Téléphone, sportage. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, monsieur, on vous a dit que c'était fini. C'est en train de sonner, ça y est. J'apprends vite. Donc, il n'y a pas eu de 05 61 21 64 05. À mon avis, il ferait quand même mieux de décrocher maintenant. Si on devrait décrocher, oui. Bon. Il reste 5 minutes, Jacques, 5 minutes, c'est terrible. Pour ce gardien qui va souffrir, regardez, il va terriblement souffrir. Il partait en vacances et il s'est fait mettre minable. Ouais, la douane, effectivement, la paf. Douane. La paf de l'audiovisuel est là. La... Bah, je vais prendre une petite carte de séjour. Bon. Oui, je vais prendre la vaisselle aussi. Attention, Chelsea. Allô. Les Marseillais attaquent. Il y a une action au téléphone. Ah oui, bon réflexe. Jackie Chronospeed, c'est super speed la vitesse du match. Pour le nombre au public. Qui vous m'avez appelé. Jackie, vous êtes où, là, dans la cathédrale? Oui. On me demande, je t'écoute, mon fils. Quelle est la vitesse du match, s'il vous plaît, mon père? Quel est ton prénom, mon fils? Loïc, mon père. Loïc, je vois de terribles misères pour toi. Pourquoi? Je te vois en difficulté, Loïc. Non, là, moi, je vois un but à la 88e minute. Oui. 88e, d'accord. Loïc, tu me retrouves? Oui, je te retrouve. 18 km/h. 18 km/h. 18 km/h. Ouais, c'est un peu rapide quand même tout ça. Oui, je suis un peu rapide, mais je n'ai pas tiré depuis longtemps. Ah, je comprends. Ouais. Donc, vous le prenez en antenne ou vous nous le laissez? Merci, Loïc. Bon, écoutez, il veut peut-être dire un petit bonjour à quelqu'un, remarque. Ouais, je veux dire un petit bonjour à Nono, quoi. Nono. Nono, oui, oui. Nono qui est assis dans le canapé. À côté de toi. Oui, voilà. D'accord. Bravo. C'est Nono. Malin. Tu dépenses 70 centimes pour dire Nono, bonjour. Eh, dis donc, il y a l'internet maintenant, hein. Non, mais vous comprenez, c'est un viking, quoi. Il a pas l'internet. Lui. C'est un viking. Ah ouais, il viking. Oui, c'est un viking. Il est cool, ce type. Ouais. Eh ouais, il a une grosse hache. Bon, mais spécial dédicace à hache de Nono. Il y a pas une fille avec vous, là? Non, il n'y a pas de fille. Oh là là. Non, pas un coup de fil féminin pour cette journée de la femme. Madame, pour nous, ça va être un terrible... Oui, on voudrait une revendication féminine pendant cette touche, madame. Excuse-nous, Loïc, on a autre chose à faire. Bonsoir, Loïc. Merci, bonsoir. Merci, bien sûr. Loïc, n'oublie madame. Pas de ton numéro de carte bleue, Loïc. Appuie sur le 6, Loïc. Bien. Tu as composé le... Pendant ce temps-là, le match continue de se dérouler et Loïc nous a appelé, Jacques. C'est quand même assez sympathique. Hein. C'est rassurant, mais ce n'est pas suffisant avec l'OM qui. Ça aurait été Albert, c'était super, ça aurait été Loïc, c'est sympathique. Tu es si terne. Avec un ballon perdu. Merde, merde, merde. Oui, je sais, monsieur. Ah, tu vois.
touche. Touche marseillaise, on progresse, on avance, on est là, on est présent. Je m'étonne, Jacques, de ce peu d'enthousiasme qui nous habite face à la dépense d'énergie marseillaise dans cette fin de partie. On va peut-être faire rentrer des Roumains. Pourquoi ? Je sais pas, peut-être qu'ils jouent mieux au pied. Oui, mais là, il faut marquer de tous les côtés. Tête, genou, tout ce qui est légal. Ça se joue beaucoup au milieu du terrain. Il n'y a que peu de tirs, ne serait-ce même non cadrés. Canal. Ah là là là, en plus, on fait de la faute. Oui, Oscar, c'est Fisher-Price. Fisher-Price, il s'est fait prendre. Et maman, donne un carton. Maman, prive dessert. Tu es privé dessert. Tu rentres, t'es couché, tu vas dans ta chambre. Bêtise. Il a fait une connerie, il a cassé Joujou. Bam. C'est comme ça, Jacques. Même si les jouets sont de plus en plus sollicités et solides, à un moment donné, il ne faut pas non plus déconner. Il faut des règles. Encore ? Oh, quoi que tu sais. C'est tous les mois, alors. Mais moi, je ne comprends pas grand-chose aux règles. Remarque, il paraît que les femmes ne comprennent pas grand-chose aux règles du foot non plus. Donc, finalement, ça s'équilibre. Ça s'équilibre, là. Une petite serviette pour t'éponger. Avec un Marseille qui est dans sa partie de terrain, un Marseille qui monte, monsieur Certefic qui est pris. On fait appel à monsieur Brun et on écoute la construction d'une action. Est-ce qu'on peut réussir ? On écoute la construction d'une action, c'est bien ça. Effectivement, une action dangereuse. Hein. Ah oui. Une porte ouverte au but. Alors, on part par la base. La base, on part de l'arrière. Là, l'arrière transmet. Bon contrôle. Et là, vous êtes bien. Vous coulez le béton, les gars, maintenant. Ça tiendra jamais. Ça rebondit. Ça a pété. Mauvaise entente du côté de Chelsea. Marseille peut repartir. Les chantiers marseillais repartent à l'attaque. Vous avez Jacques une minute pour construire un but. Vous nous appelez en direct. D'où ? Jacques Guy. Putain, je semble m'être perdu. J'espère que vous avez du papier. Pour. Dites donc, je ne pars jamais sans outils de travail. Je suis un professionnel, je vais dire, moi, hein. Ah si, je suis un professionnel, donc il a fait un point. Attention, il y a une action, Jacques, c'est à vous. Lancé par Lionel Jospin, et la question qui se pose, c'est pas seulement celle du béton et des locaux. Jacky, vous êtes avec le ministre de l'Intérieur. Vous déconnez, Jacky. Vous êtes à l'hosto ou quoi ? Ça va pas ou quoi ? Vous êtes en plein scanner de ministre de l'Intérieur, Jacky, faites attention. Ça vient du centre. Attention, Jacques, justement, un coup franc pour Marseille. L'ultime. Je vais te bouger, moi. Jacky. Excusez-moi, je pensais avoir débranché. L'euthanasie vivra. Qu'est-ce que c'est ? Attention. Jacques, j'aime ce qui se passe en ce moment sur le terrain de Chelsea. Aimons-nous. Nous avions dit 78e minute. Eh bien, on s'est un petit peu trompé. Ouais, embrassons-nous. Et après quoi ? Hein, Marseille va égaliser là maintenant. Galette, oui, Marseille là pipom, maintenant. Oh, Marseille, pim pam pouf. Pourquoi non ? C'est dégagé, mais c'est encore récupéré. Soldat Louise qui donne là-bas pour Jennifer. Jennifer Summer qui n'a plus récupéré ses ballons. Et c'est Andy McEnroe qui le relance. Mais Marseille là. Marseille va le prendre. Oui, direct. Le gardien, qu'est-ce qu'il fout ? Coup franc signalé par monsieur madame. Mais oui, Jacques, coup franc. Oui, à un moment donné, si tu veux, le choc. Le choc est légal, mais la virulence de celui-ci, l'esprit qui l'anime, peut être sanctionné. Méfie-toi, Coco. Tout de même. C'est tout le sens. Moi, j'essaie de vous aider vis-à-vis de M. Jouffet. Lâchez-nous. J'ai déjà fait une loi de programmation. Je trouve que c'est une idée intéressante dès l'instant qu'on sait que ce compte programme. Oui. Mais plus fort, les gars, plus fort. Oui, c'est ça. N'ayez pas peur de ça, il n'y a pas 10 000. Envoyez la purée, bordel. Le meeting. Hein, le meeting d'athlée. Quoi ? Il faut s'y atteler tout de même pour écouter le politicien. Avec un petit ballon, ce cuir à 395 francs 50, selon qu'il soit fabriqué ici ou là, qui est terriblement disputé. Oui, dans beaucoup de cas, qui finit mal. Hein. Oui, alors ça, Jacques, il faudrait en parler d'ailleurs. Le public se tire, il faut rappeler le public. Revenez, chers amis, nous allons parler du sort du ballon à la fin du match. Jacques, que se passe-t-il à la fin du match pour le ballon ? Car on l'oublie très souvent. Ça finit souvent en enterrement, hein, tout de même. Il y a un ballon mort. Il y a ballon mort avant. Qui pourrait supporter autant de coups de pied dans la figure ? Autant de coups de boule ? Qui ? Marseille ? Oui ! Oh là là ! Quel tir ! Mais qu'est-ce que tu fais, Marseille ? Pourquoi tu aurais pu marquer 4, 5, 6 fois ? Waouh ! Ah, Casino ! Les géants Casino qui fait des promos, qui arrête pas ! Qui se cache ! Comment ?
Regarde ça, il était sur le parking. Il est sur le parking. Il peut y aller. Jacques, c'est vous sur le parking. Excusez-moi, oui. Je suis au milieu des caddies, ça résonne. Jacques, il faut marquer sur ces actions. Ça bouge. Jacques, il faut. On ça peut remue, pas. Ça swing. C'est quand même du bon match. Oui, d'accord. On le voit, le directeur commercial est fou de rage. Tandis que le vendeur, il se dit, mais quoi, il lui a foutu 2 heures dans le cul. Allez, grosse dégageade merdouillée de l'anglais, mais c'est pas grave, c'est récupéré. Ouais. Ils sont solidaires, eux aussi, les anglais. Ils jouent, joli soleil Jean-Louis, c'était bien ce que tu avais fait au départ, après le score a été affiché, c'était un petit peu plus dur. Maintenant Chelsea dégage minablement. Là, Jacques, on y va. Voilà, pourquoi faire. On y va. On peut y aller, mais c'est Chelsea qui a la balle, dans le camp marseillais en plus. Ça nous arrange pas si on veut une égalisation minimum. Jean-Louis, tu plies. Jean-Louis, tu plies, s'il te plaît. Jean-Louis, tu rentres la caméra 13 avant la 15. Hein. Et attention, à la 88e minute, notre auditeur a précisé qu'il y aurait un but. C'est vrai? Oui. Il a dit quoi? Il a dit 88e. Ouais, mais on est à la 93e. Dès qu'on arrive à la 94, les gars, c'est terminé. À moins que l'arbitre anticipe. Attention, c'est terminé. T'as vu? Henri, hein. Ah là là, Jean Marais qui serrait la main. Je crois pas. Bernard Blier. Reculez-moi le temps. Jacques, j'ai bien l'impression que cette fois-ci, c'est fini. Le match. En arrière. On ne peut pas remarquer les buts là. 5 minutes avant. Un but. Marseillais. Oh putain, ça y est, c'est terminé. Je crois qu'avec cette défaite, Marseille est éliminé. C'est confirmé. Tous les téléscripteurs. Bravo. Crépite. 20 ans et je n'arrive pas, Jean-Louis. Et Sigluck. Et pas un bide. Eh bien, Jacques, je suis parfaitement circonspect. J'avais misé moult pognon sur la formation marseillaise. Je rentre bredouille, je rentre en slip. Ramenez-moi. Ainsi s'achèvera Sportaz avec un bonsoir, madame. Et surtout, appuyez bonsoir, madame. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir madame. Une seule but pour ce journée de la femme. Ce fut peu. On se retrouve le prochaine fois. Mercredi, Chimpro. Bois. Bordeaux-Valence. Alors, c'était pour le plaisir.